cette petite musique toute douce. Ça fait du bien, un petit peu de calme dans ce monde de brut. Cette monde, j'espère que vous allez commenter vous, moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation et un gameplay. Est-ce qu'on peut dire gameplay? Et une partie plutôt sur le jeu officiel Monopoly. Monopoly, hein, ce jeu de société emblématique qui nous fait incarner un businessman sorti en 1935 et ouais, ça date déjà. Hein. La Seconde Guerre mondiale, Hitler, tout ça, c'était du futur. On va mettre des dés. Allez, des dés bleus. Du lounge. Allez, on va mettre un petit peu de lounge, mes amis. Oui, bah, le jeu tourne à fond. Et donc, on va faire une petite partie de Monopoly, pour ceux qui ne le savent pas très bien. Du coup, je suis un humain. Oui, je suis un humain. Et je veux prendre... Je prends la voiture. On va mettre des joueurs, des IA. Pardon. Difficulté de l'IA. On va mettre en intermédiaire. Une IA intermédiaire. Ça, c'est pas parce que ça, on va mettre ça. L'environnement. Notre environnement, alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, navette spatiale. Et on va jouer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les règles du Monopoly, alors Monopoly en fait nous fait incarner, c'est un jeu de plateau, un très vieux jeu de plateau, 1935 comme j'ai dit, nous fait incarner un businessman où notre but est... Non, une voiture de course en premier, très bien. Où notre but est donc de contrôler chacune de ses propriétés. Chaque couleur représente un ensemble de propriétés. Quand vous achetez une propriété, genre par exemple, vous voyez, il y a un ensemble de deux propriétés, boulevard de Belleville et rue Lecourbe. 60... Mono dollar, il me semble, c'est des trucs comme ça. Bref, on va dire 60 dollars. Enfin, c'est normalement, c'est 60 millions. Millions de dollars et tout ça. Bref, 60 dollars, 60 dollars. Et quand vous avez les deux, vous avez ce qu'on appelle un Monopoly. Quand vous avez un Monopoly, vous pouvez construire des maisons sur vos bâtiments. Au bout de 4 maisons, vous pourrez construire un hôtel. Bien entendu, l'intérêt n'est pas forcément de construire des hôtels partout. Enfin, si, c'est ça l'intérêt. Mais l'intérêt, le but du jeu est de. Faire banqueroute sur tous les autres. Faut que tous les autres fassent banqueroute chez vous. Et en achetant des propriétés, quand quelqu'un passera chez vous, il devra payer. Mais on va voir ça plus en détail. Donc je suis la voiture de course. Nous avons un chien, un dé et un bateau. Donc je prends les dés. Donc c'est. On peut les frapper entre eux. Bah, à l'époque, on frappait les dés dans la main. Et puis, pff, on soufflait dessus en espérant avoir un double 6 et tout. Et on balance les dés. Et on a un 8. Donc un 8, on avance. Pour le moment, le terrain est relativement sécurisé parce qu'il n'y a rien. Et là, je suis tombé sur la rue des Courcelles. Donc, qui coûte 100. Je vais l'acheter. Hein. C'est toujours ce qu'il faut faire. Dans un premier tour de Monopoly, il faut tout acheter. Et encore plus, quand vous êtes le premier joueur à jouer, c'est très bien. Parce que vous serez normalement le premier à terminer le tour si vous êtes chanceux. Alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais acheter. Je vais avoir cette carte de propriété, ce titre de propriété. Qui me dit que à chaque fois que quelqu'un passera sur la propriété, il devra payer 6 dollars. Avec une maison, c'est 30. Deux maisons, 80. Pour avoir des maisons et des hôtels, il faut que j'ai la rue de Vaugirard et l'avenue de la République. On verra ça plus tard. Après, il y a la valeur de l'hypothèque et on verra ça plus tard. La valeur d'une maison, la valeur d'un hôtel. Parce que en avançant, tout coûtera plus cher. On va l'acheter. Voilà. J'ai ma première propriété. Donc là, je n'ai rien à faire parce que je n'ai pas de maison à construire, rien. Donc je finis mon tour. C'est le tour du chien. Le chien a lancé un beau coup de dés. Il est arrivé sur rue, je n'ai pas vu, rue de la Villette. Je ne connais pas les rues par cœur, je sens vraiment que la dernière, c'est la rue de la Paix et c'est la meilleure rue au monde. Donc lui, il a acheté la rue, l'avenue de la République. Et il tombe, lui, sur l'avenue de la République. Et il perd 8 millions. Alors là, maintenant, on va rentrer dans le sujet. C'est que ce monsieur ici, le dé à coudre, m'a volé l'avenue de la République, techniquement. Donc je peux encore aller acheter la rue de Vaugirard, si je fais le tour du board et que je reviens ici. Mais il faudra toujours que je fasse du commerce avec l'avenue de la République afin de récupérer cette machin. Donc le commerce, ça se fait avec des propriétés et de l'argent. Je lance mes dés, hop. 7. J'arrive sur une gare. Alors les gares, c'est génial. Il y en a 4 dans le terrain, chacune au même endroit. Et si on a 4 gares, ça vaut un salaire. Donc c'est très bien une gare, surtout la gare de Lyon. Les gares, faut toujours les acheter, faut toutes les avoir. De toute façon, faut avoir toutes les propriétés à la fin du jeu. Donc 7. Le chien, il fait un 7. Et il arrive sur... Je n'ai pas vu
5, 6. Ah, il tombe chez moi. Et donc là, il doit me verser 25$. C'est bien. J'ai déjà des rentrées d'argent. Ce jeu est très très relaxant, voyez-vous. Je m'en fais une partie assez souvent. Parce que je trouve le concept très relaxant. Et vous voyez, on peut tricher. Hein, en essayant de mettre le double 6, le fameux double 6. Mais le jeu n'aime pas ça. Il balance toujours les dés en les faisant tourner pour éviter les triches. Donc, hop, le boulevard Malesherbes, j'achète. Bien entendu, ce jeu, c'est la version française du jeu. C'est des villes françaises, enfin des rues et des avenues françaises. Mais par exemple, pour la version américaine de base, ce sont des rues et des avenues américaines. Donc le jeu a été adapté et pas qu'un peu, enfin, et pas, pas avec les pieds, quoi. Encore aujourd'hui, il y a plein de déclinaisons de nos rues qui sont faites. Hein, pouvez... Il est tombé sur chance. Hein. Chance, il a pioché une carte. Il y a deux cases de cartes, les cases chance et les cases, cases de communauté. La carte caisse de communauté se trouve juste ici, mais on n'a pas de case. Donc là, il a pioché une case chance. Il retourne à la case départ. Quand on passe à la case départ, on reçoit automatiquement un salaire. Le salaire de 200$. Donc il est le premier à avoir fini le board au final. Et il a de la chance. J'ai esquivé la prison. L'avenue Foch. J'achète l'avenue Foch pour 300. En haut, vous pouvez voir mon pécule. Mon pécule est assez bon. Je suis pas trop mal, honnêtement, pour un début de jeu. C'est très bien. C'est génial, honnêtement. Ah, il va en prison. Donc, alors, il est tombé sur la case aller en prison. Il y a plusieurs moyens d'aller en prison. Le premier moyen, donc, c'est la case aller en prison. Le deuxième moyen, c'est tomber sur une case, sur une carte chance ou case de communauté qui vous envoie en prison. Et le troisième moyen, c'est de faire 3 doubles d'affilée. Si vous faites 3 doubles d'affilée, vous allez en prison. Et quand on est en prison, il y a également plusieurs moyens de s'en sortir. Pour s'en sortir, vous pouvez soit faire un double, tenter votre chance et faire un double. Si vous faites un double, vous sortez, sinon vous attendez. Soit vous payez 50$ et vous sortez directement. Soit vous attendez, soit vous avez au préalable pioché une carte chance, vous êtes libéré de prison, machin, et qui vaut une sortie gratuite. Je fais un simple. Je tombe sur l'avenue des Champs-Élysées. Je ne vais pas me priver pour l'acheter. Bien entendu, ces deux rues sont les plus chères du jeu. Et ce qui est cher est bien. Donc là, il a payé sa caution de $50 et il va sortir. Il a fait un double. Donc il va... En ayant fait un double, il va pouvoir rejouer. On sait jusqu'à la gare la plus proche. Si elle n'appartient à personne, vous pouvez... Donc voilà. Alors, il va avancer sur la gare Montparnasse, si je ne me trompe pas, elle n'est à personne, donc il va pouvoir l'acheter. S'il m'avait appartenu, il aurait payé 2 fois le prix. N'ayant qu'une gare, il m'aurait payé 50. Il va aller jusqu'à... Donc là, il gagne les 200 de son salaire, et il achète la gare Montparnasse. Il s'en sort plutôt bien. Et il refait un double encore. Et s'il refait encore un autre double... Notre placement vous rapporte recevez 100 000. Il est vraiment très chanceux ce dé. Et s'il refait un double, il va en prison. Il va en prison. Ah, c'est ça un excellent exemple. Il a fait 3 doubles, donc il va en prison. 5. Ah, là il va y avoir du commerce entre le jaune et le rouge. Hop, je lance mes dés, mes petits dés bien gentils. Gentillés et gentillou. Je gagne mon salaire. J'arrive sur... On va pouvoir commencer à parler un peu avec... je vais commencer à faire un échange avec le dé à coudre. Je vais échanger avec lui. Et je veux ça. Voilà. Moi, je veux que tu me donnes ça. Écoute, combien? 120. Donc, bah, je vais te la racheter à 120. Écoute, quoique non. Écoute, 120, mais... vers de protection. Je vais tenter le 100. Est-ce qu'il accepte? Il a refusé. Bon, bah écoutez, je vais refaire. Pardon. Combien ça coûte? 120. Bon, bah, je vais lui demander. Ah, 120. Voilà. Et normalement, il est censé accepter. Il a refusé. Le bot n'est pas très sympathique. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il a la gare. Il a la gare. Je veux pas lui donner ma gare. Je vais bien lui donner ça. Par contre, je désactive ça. Quoique. Ah, 0.
Du coup, je donne ça, mais comme ça coûte un peu cher, je demande un petit picu derrière. 120, et ouais, je demande au moins 100. Elle fait une contre-proposition. Avenue de la République, mon boulevard est 8. Il a cru que j'allais lui donner de l'argent. 0. On va voir. T'as refusé? Ok, bah pas de pitié, gamin. Écoute, je vais pas avoir de pitié pour toi. Donc je file mon tour. Le bot en intermédiaire est fermé aux propositions, alors que c'était une proposition noble que je lui ai faite. Mais c'est bon, il a racheté au prix d'achat son machin contre ma propriété. Au final, les deux étaient gagnants. Ah, voilà, la carte libérée de prison. Il va pouvoir la garder jusqu'à ce qu'il aille en prison ou qu'il la trade avec les cartes. Il paye la caution, puis il sort le Dakou. Le Dakou l'a fait son beau parce qu'il a de la thune. Tac. Et là, je dois payer au rouge. Je perds 10$. J'aime pas perdre 10$. Je vais retenter là l'échange avec le dé à coudre. Je veux ça. Ok. Je veux que tu me donnes ton avis de la République. Et moi en échange. Comment ça coûte? Ça coûte 200. 100, je te demande 80. C'est pas la mort, 80. Acceptez votre proposition. J'ai un Monopoly. J'ai concrètement un Monopoly. Il a deux gares, mais c'est pas grave. Alors j'ai un Monopoly. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je peux construire des maisons sur mes machins. Les maisons ici coûtent 50. Et un hôtel coûte 50. Donc, je vais acheter quelques maisons. Voilà, je n'ai plus beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas gênant. Pourquoi ce n'est pas gênant? Parce que si quelqu'un tombe là-dessus, il va perdre, avec 4 maisons, 400. Je ne suis pas en mesure d'hypothéquer pour le moment, donc je ne vais pas. Je pense que je serais enclin à... Ah, il a la rue de la paix. Ils ont trade. Ils viennent de faire un trade, là. Le jaune a un monopoly sur le rose. Cette case, ah, il tombe chez moi. Donne-moi de l'argent. Je suis où, moi? Oui, je suis là. Je suis là. Il faudrait que je fasse un 3. Un 3 ou un 4. Un 3 ou un 4, ce serait bien. Un 4, c'est parfait. Qu'est-ce que vous mettez pour que j'ai la chance? Oh merde! Je suis en moins 7. Alors, non, je vais pas abandonner. Je suis en banqueroute. Donc je vais enlever une maison pour regagner un petit peu d'argent. C'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Je pourrais toujours hypothéquer. Allez, allez, t'es presque sur mes bleus. Cette vidéo sera longue, elle est partie de Monopoly et est assez longue. Oh mais il a de la chance ce dé à coudre. De Dieu. Je pense pas honnêtement gagner cette partie. Hein. Je suis assez mal parti pour la gagner. Personne ne vient chez moi, ça va être coton de la gagner. Ah, je tombe chez moi, donc j'ai de la chance. On va laisser couler. Ah, parfait! De l'argent! Des rentrées de monnaie! Donc il a dû payer 300 du fait qu'il y avait 3 maisons sur ma propriété. Je suis en train de rabâcher des règles comme si c'était un nouveau jeu, mais tout le monde connaît ce jeu en fait. Je dis simplement les règles aux 3 du fond qui n'auraient pas compris les trucs. Donc là, vous voyez, maintenant j'ai remonté un peu l'argent et. Ah! On va pouvoir parler d'un autre truc aussi. Yes! Je vais pouvoir l'acheter ça aussi. Pour 300! Ça coûte cher. C'est pas, je pourrais pas faire les trucs. Oh! Vous voyez ici, il y a un M. Il y a un M sur ses deux propriétés. C'est-à-dire qu'il les a hypothéquées. Il a hypothéqué ses propriétés, le jaune. Et hypothéquer ses propriétés, en fait, si vous voyez,
Voilà. Valeur hypothécaire. C'est-à-dire que quand vous hypothéquez votre propriété, elle est toujours à vous. Elle est toujours à vous, mais le truc c'est que quand quelqu'un va passer dessus, il n'aura plus à payer. En contrepartie, vous gagnez la valeur hypothécaire. C'est-à-dire ici 100. C'est-à-dire que le jaune a gagné ici en hypothéquant, il a gagné 130. 130 dollars en hypothéquant. Mais en contrepartie, quand quelqu'un va passer sur sa propriété, il ne devra rien payer. Mais il ne pourra pas lâcher non plus, à moins qu'il fasse du trade. Donc le jaune est actuellement en mauvaise posture grâce à moi. Donc ce qui veut dire que j'ai bien joué. C'est le but, c'est de mettre des bâtons dans les roues des autres pour gagner. Oh. L'enchère. Ah, elle coûte combien de base? Ah, pardon, je vois pas combien elle est de base. À valeur d'origine 180. À côté, je vais. Où c'est que c'est? Ah, j'ai pas assez. Bon, c'est pas grave. Moi, je renonce à la vente. Ça sera ça. Bon, bah, le rouge a obtenu le Monopoly. Ah, proposition d'échange. Si je lui donne mon ami les Champs-Élysées, il me donne son rouge et son jaune. Mais son rouge et son jaune sont mortgage, enfin hypothéqués. Je n'aurais pas utilité de son jaune, mais je voudrais bien son rouge. Alors je vais retirer son jaune. Je n'en veux pas. Je ne veux pas du jaune. Je veux du rouge. Voilà. Et pas d'argent, parce qu'il ne va pas accepter. Mais je veux également. Ouais, si, son jaune, ce sera très bien. Comme ça, je vais pouvoir faire pression sur l'autre. Oui. Je perds un bleu. C'est pas grave, les bleus, ça coûte trop cher. Je n'ai plus assez d'argent pour entretenir un bleu. Et lui, il n'a pas assez d'argent. Il a que 84 dollars. Il n'a pas assez d'argent pour construire quoi que ce soit sur les bleus. Oh, il est tombé entre les deux. Il a pas de... Alors, cette carte-là est très chiante pour quelqu'un comme moi, parce que j'ai beaucoup de maisons. Et 25 dollars pour chaque maison et 100 pour chaque hôtel. Il n'a ni l'un ni l'autre, donc il ne va rien payer. Moi, par contre, j'aurais eu mal. Heureusement que je ne tombe pas sur cette carte. C'est la pire carte sur laquelle, en fin de jeu, c'est la pire carte sur laquelle on peut tomber. Taxe de luxe. Ça fait très très mal, la taxe de luxe. Ah non, c'est l'impôt sur le revenu qui fait très mal. Ouh. Tac, je sais même pas où je suis. Ah si, je suis là-haut. C'est génial. Avance. 400 d'un coup. Je vais faire beaucoup de choses avec 400. Ça, c'est bien. Par exemple, je vais pouvoir lever l'hypothèque. À combien? 132. Je lève l'hypothèque. Ici, pareil. Je lève l'hypothèque. Et voilà. Je vais garder mon argent, je vais pas le dépenser inutilement. Parce que là j'ai 3 maisons, quoique. Je pourrais mettre un truc de plus. Une petite maison. Une petite maison. Prix total 150. Donc je vais en enlever 2. Voilà. Très bien. Là j'ai 4 maisons. C'est bon. C'est la stratégie aussi ce jeu. Hein. C'est. Ah, le rouge c'est acheter des maisons. Ça, je l'avais pas vu. Le rouge, c'est acheter des maisons. Compagnie électrique. Les compagnies ne servent pas beaucoup dans le jeu. On tombe très rarement dessus et même elles font pas beaucoup de dégâts financiers, je dirais. Viens chez moi. Bienvenue chez moi. Des rentrées d'argent. J'aime l'argent. Là, actuellement, je joue très bien. Beaucoup mieux que ce que je l'aurais espéré. On continue d'avancer. Ah, je lui donne de l'argent. J'ai perdu combien? Ah, j'ai perdu 10 dollars. Ah, bon, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais je sais pas si c'est en millions de dollars ou pas. Mais ça, c'est en milliers de dollars. Et là, je peux... ouais. Ça me coûte 200. Je perds la moitié, mais c'est pas grave. Maintenant, si quelqu'un passe là-dessus, il va manger ses verres. Je suis très 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 bon. Il a perdu que 50. 50 à son stade, ça fait mal. Ah merde.
On va avoir commerce à faire avec le dé à coude là. Ce qui me fait encore plus chier que d'habitude. C'est moi. Tac. Le dé à coude est mon ennemi principal actuellement. Je suis tombé à la caisse communauté. C'est notre anniversaire, chaque jour de vous donner 10. Donc je gagne 30, c'est bon. Voilà, je gagne 30, c'est correct. Le dé à coudre, il y a commerce à faire avec lui. Ouais. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais lui donner un Monopoly pour un Monopoly. Parfait. Un Monopoly pour un Monopoly. J'ai de l'argent, j'ai 200. Je peux mettre des maisons. Allez, hop, je vais mettre une maison là. 150, j'en mets une seule. Je vais pas me ruiner non plus. 5. Création en vie, on rapporte 100 000. Je vais dire 1000, putain, parce que voilà. Quoique, je s'en fous des chiffres. C'est de la thune. Bienvenue, donne-moi de l'argent, j'aime ton argent, il est doux, il est soyeux, vois-tu. Oh, je vais pouvoir faire pression sur l'autre. J'ai une gare, il en a deux, je vais pouvoir faire pression sur lui. Ok, il gagne de l'argent. Vous arrêtez de s'en... Il commence à être chanceux, le petit, là. Le chien, il commence à être chanceux. Le deck a bugué. Ouais, j'ai un petit peu. Pensez jusqu'à la compagnie de service public la plus proche. Il me semble que c'est lui qui la possède. Ouais, donc, c'est pas gênant pour lui, c'est lui qui la possède. En prison, quoique. En prison, ce stade du jeu, c'est rentable. Bien que. Il gagne pas les 200 de la case départ, mais il passe pas non plus par. Par les mines. Les mines mortelles. Ils sont là pour te détruire toute ta vie, toute ton enfance. Donc là je tombe chez moi, donc c'est très bien. J'ai pas d'argent, donc j'économise, c'est très bien. Je suis bon. Je pourrais pas hypothéquer des propriétés. Il y a quelqu'un qui construit une maison. Ah, une maison sur rue de la paix. Ça commence à m'embêter cette histoire. Ça va me coûter très cher. Ah là il essaie de jouer le double. Ah il a réussi à jouer le double et il sort. Et en plus il arrive chez lui. Bon dis donc. C'est je fuis, j'ai dit de me cacher chez moi. Taxe de luxe. C'est mieux que de payer. Alors j'ai payé. Deux secondes. J'ai payé 100 alors que j'aurais pu payer 200. Donc j'ai. Ouais. Et c'est toujours pas génial. Donc je vais gérer. Et je vais. Pardon. Enlever une maison. Et voilà. Je reviens dans mes finances. Je vais pas hypothéquer, ça me serait inutile. De l'argent, merci. Et j'avais oublié de préciser qu'on possède un Monopoly, le loyer est multiplié par deux. Donc c'est intéressant. Bienvenue chez moi. Merci, merci. Hop. 8. Mon argent est chez moi. Donc c'est très bien. Je vais économiser. Je vais pas dépenser. Je vais économiser encore. Je tombe sur la compagnie. Mon 70. Ouh, il y a couleur. Bienvenue chez moi. De l'argent. Toujours plus d'argent. Le dé à coudre évidemment. Regardez son pécule. Comparé au mien. Et il retourne en prison. Il y était déjà tout à l'heure, il retourne pour voir. Pourquoi pas, écoute. Tu me diras. Acheter, vendre, négocier, gagner. Ah merde. Tu es méchant, dé à coudre. Tombe sur mes propriétés. Tombe dessus sur mes propriétés. Je veux te voir souffrir. Ah tiens, il achète la propriété marron, personne ne l'avait.
c'est une nouvelle ville, non? Ah! Oh, il... oh! Oh! Il veut que je lui donne de l'argent! Il veut. Oui. Pardon. Pourquoi il veut en donner? Non, j'ai mis 260. 242. Ce serait pour lui racheter. Mais je refuse. Je refuse, parce que le jaune ne sert à rien. Ça lui casse un. Le jaune ne me sert à rien, je vais juste refuser. Là, je le tiens par les coronas avec la garde du Nord. Donc, je vais pas le lâcher. Je vais même serrer le lacet, comme on dit. Je sais pas si c'est ça qu'on dit. Non. Je vais le serrer. Je le tiens par les coronas et je vais serrer. Oui! Money, money, money! Regardez-moi tous ces M qui viennent d'apparaître. Il vient d'hypothéquer toutes ses propriétés. Et là, c'est le premier pas vers la victoire, voyez-vous. C'est bien, je gagne de l'argent. Toujours plus d'argent, mes amis. Je vais tomber en prison. Oh non, juste avant. Je perds 24, mais j'en ai rien à foutre. Je vais gérer, Juste ici, rajouter quelques... 600 450. Bon allez. Hop, je paye 600 pour mettre quelques minutes. Voilà, voilà, voilà. Comme ça je gagne un peu d'argent là. Je garde un peu d'argent derrière. Donc là il passe sur des propriétés mais enfin c'est les siennes mais elles sont pas hypothéquées donc ça sera pas un problème. Donc la zone Ah presque. T'y étais presque hein, à vous. Il essaie de jouer le double. Il a raté le double. Quoique. Ah non, il a payé la caution. Il a fini par payer la caution. Voilà, quoi qu'il arrive, normalement je suis en sécurité. Quoique. Quoique. Ah, ah. Je pensais que j'étais en sécurité. Les trois dernières cases du jeu sont les pires du jeu. Ouais, ça va. 50. Ouais, ça va. Ça remonte un peu son arme. Gratuit, je sais toujours pas à quoi elle sert. Peut-être qu'elle sert à rien en fait. Hop, bon, là, quoi qu'il arrive, là par contre, je suis peinard. Ouais, voilà, je vais être probablement peinard là. En plus, j'arrive chez moi. Fin de tour. Fin du tour. Merci pour l'argent, j'aime. Je crois que le mot le plus prononcé dans cette vidéo sera argent. Bon, tu me diras pour un jeu qui parle de pognon. Argent, pécule, pognon, oseille. De l'argent. Je sais pas si vous connaissez le fausseur de film avec son petit gueule. L'argent. Ah. Mon dieu. Oh. Mmh. 145. Il a remonté. Lui va le vouloir. 191. Il a renoncé. Ok, donc ça se joue entre lui et moi. 200. 235. 250. 286. 300. 334. Oh, il a l'argent pour... 350. Je joue le fou là. 360. 361. Il va pas pouvoir aller plus loin. Yes! L'enchère à 361. J'ai payé presque le double du prix. Mais au moins je l'ai. Je suis victorieux. Pour le moment. Ce sera peut-être pas assez tout le temps. L'argent, ah bah tiens, c'est l'argent que je viens de payer. Oh. En partie, non, même pas du tout. Bon, ça va, je suis en train de remonter un peu. Oh non, flûte, il me tient par les boules. Double 6, bienvenue chez nous. Ah merde, il était à côté.
La gare Montparnasse. Ah bah il va faire un tour complet. Il va faire un tour complet, il va gagner de l'argent. Et il repère. Non, ah non, bah non, il repère. De la gare. Il passe. Et il repère encore plus d'argent. Hein. Il gagne 200 pour perdre 100. Ça va. C'est un mauvais deal en fait. C'est un mauvais deal. Ça, moi je suis plutôt en sécurité sur le board. Contrairement d'habitude, vous voyez. Tout en bas, il y a la gare, l'impôt sur revenu et c'est tout. La gare et l'impôt sur revenu sont dangereux. La caisse de communauté et la chance sont pas trop dangereuses, à moins qu'on tombe sur une mauvaise carte. Après ici, il n'y a que l'orange qui est dangereux. Que l'orange et la gare sont dangereux parce que la compagnie électrique, on tombe jamais dessus. L'orange et la gare sont les plus dangereux parce que là, c'est Morbidge. En haut, tout le rouge est à moi, plus la gare. Et derrière, il n'y a que trois propriétés qui sont pas à moi. Et là, à côté, il n'y a rien. Il n'y a juste rien. Enfin, si, maintenant, il y a le vert qui va être gênant si jamais je tombe dessus. Il y a les deux bleus. Mais normalement, je suis relativement secure sur le board. Je contrôle un bout de chaque board. Quand je dis contrôle, hein, c'est pour le côté gauche. Je dis que je contrôle parce qu'il n'y a rien que je paye. C'est grâce à moi que je paye rien. Il paye et il perd de l'argent. Oh mon dieu, il a perdu 8 millions de dollars. Snake Eye. Les yeux de serpent. Double. Deuxième prix de beauté. C'était qui le premier? Si un bateau a réussi à gagner le deuxième prix de beauté, c'est qui le premier à l'avoir gagné? Bienvenue chez moi. Vous allez voir, nos gares sont magnifiques. Chance. Rendez-vous à la rue de la paix. Alors, il va payer. Hop. De l'argent, moi. Allez, qui veut de l'argent? Qui veut de l'argent, je le donne. 6. Oh, pile entre les deux. Je le tiens. Ah merde. Je vais gérer du coup. Non, 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 non. On va être 1. 260. Je sais pas si j'imagine. Je vais hypothéquer celle-là. M'assurer. Voilà. Du coup, celle-là, maintenant, je peux l'acheter. 260. Il me reste 100. Dollars et je vais pouvoir demander un échange avec monsieur le dé à coudre. Monsieur le dé à coudre, comment allez-vous? J'échange le jaune que vous aimez, que vous adorez, contre le vert. Il a accepté. Donc c'est un monopoly pour un monopoly. Donc c'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc là maintenant je contrôle tout le board droit. Et lui contrôle le haut du board. Là en fait c'est plutôt un jeu entre le dé à coudre et moi. Le chien ne fait pas grand chose et le bateau non plus. Le bateau ne contrôle que les oranges. Et encore les contrôle mal. Bonjour, bienvenue. Nous vous accueillons à bras ouverts dans nos hôtels. Bienvenue vous aussi. Nous vous accueillons à bras ouverts dans nos hôtels. Ils sont beaux les hôtels. Ils sont confortables avec des lits. C'est magnifique. Encore! À chaque tour, je tombe sur cette taxe. Du coup, là, je peux gérer et aller chercher, déshypothéquer ma gare. Lever l'hypothèque pour 100. Pardon, lever l'hypothèque pour 100. Et je vais rajouter quelques maisons ici. Une petite là, une petite là, et une petite là. 600. C'est bien. Une maison partout. On est bien. On est bien. Gratuit. Ah, le rouge a même dû lever une hypothèque. Ah, par contre, le jaune, on a enlevé une hypothèque. Ouais. Oula, le Dacoudre a utilisé son argent pour des baraques. Faire attention au jaune maintenant. Là, actuellement, c'est moi qui ai le contrôle du board. Le board, c'est le plateau. C'est moi qui ai le contrôle du board pour le moment. Et j'aime pas avoir quelqu'un derrière moi. Il faudrait que je me débarrasse d'abord du deck. De l'argent en plus. J'ai des petits lags, des petites sautes de frames là. Allez en prison.
Boum. Passez pas par la caisse d'épargne, ne recevez pas 200 dollars. Le rouge dans très très mauvaise posture. Le rouge est en extrême mauvaise posture. Il va faire des hypothèques de malades de partout. Moi je passe. Oh, je lui donne de l'argent, je suis tellement gentil. Tellement gentil de lui donner de l'argent. Et fin double. Recevez 25. Fin double. Et tombe. Double 5. Encore un double. Vas-y, fais un autre double et va en prison. Non, vas-y. Ouais, ouais. Un autre double. En prison. Goodbye. Oh non, chien est envoyé en prison. Bon, ça s'en va. Il tente le double. Il ne l'a pas fait. Bonjour et bienvenue. Donc il a hypothéqué ses deux dernières propriétés et il m'a payé. Mais il n'a plus rien derrière. Il est dans la mouise. 3. Chance. Henri Martin. C'est où Henri Martin? Bah, bah c'est juste en face de moi. Ouah. Comment c'est loin. Cette carte, rendez-vous à l'avenue Henri Martin, ne marche que ici en fait. Et que ici que ça marche bien. Ah, Snake Eye, il a réussi à sortir. Il tombe direct chez lui. Chez lui. Bye, bye. Oh, bonjour. Vous allez bientôt perdre, monsieur le bateau. Il faut qu'il perde chez moi. S'il perd chez moi, en fait, je récupère toutes les propriétés du bateau. J'ai fait un double. Chance. Ah, merde. Ah, merde. Quoique, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Parce que là j'avance plus. J'ai de l'argent, donc je suis bon. Si le bateau perd chez moi, j'empoche toutes ces oranges. Et ce sera très bien pour mon business de pocher toutes ces oranges. Et j'empocherai pas toutes ces oranges, visiblement. C'est pas que. Non. Oh bonjour. Ok, j'empoche ces oranges. J'ai gagné. Non! Entre les deux! Ah non! Ah c'est pète. Ah c'est complètement pète. Ah je suis désolé, ça pète. Oh pourquoi j'ai fait un double? Pourquoi j'ai fait un double? Je voulais pas faire un double. Je voulais pas le faire. Il a payé la caution, il part. Je voulais pas faire le double. Ah il a mis un hôtel sur la rue de la paix. Il commence à y avoir les moyens. J'ai fait un double. Il tombe chez moi et il perd de l'argent et moi j'en gagne. Et il perd encore plus d'argent et moi j'en gagne pas. J'en gagne pas là. Je me demande si je vais pas couper la vidéo en plusieurs parties. Quoique une partie de Monopoly coupée, c'est pas génial. Faut l'avoir du début à la fin sinon c'est. Votre immeuble et vos prêts un rapport touché 150. Bon, ça va, t'as rentabilisé ton achat toi. Double 6. Allez boum, repère tout l'argent que je viens de gagner. Tout de suite. Double 6. Visite de communauté, visite chez le médecin, payer 50. Vas-y, continue de payer, encore un double. Ne va pas en prison et continue de payer. Paye-moi. 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 Double 3. Oh bah tiens, c'est mortgage. J'ai l'habitude de jouer aux gens en anglais en fait, c'est pour ça. Oh là là. Quoi, je peux encore lancer? Faut que je fasse gaffe, hein, pas un autre double. C'est bon, je pars un autre double. Oh là là. Oh merde. Oh merde. Oh putain. Coûte cher là. Chez moi, pourquoi il tombe pas chez moi? Vas-y, le rouge tombe chez moi, tombe chez moi. Non, j'ai perdu, ah, je l'ai pas. Ah non, non. Ah merde. Je vais à coudre à empocher
les oranges. Curaçao a fait faillite et a été éliminé de la partie. Et du coup, il a empoché toutes les oranges. S'il a l'argent pour lever les hypothèques, ça va être une zone très dangereuse ici. J'aime pas quand c'est dangereux. J'aurais voulu les contrôler moi-même. Et du coup, là, je vais mettre des maisons sur les rouges. Il y en a 150. 450. 300. Non, 300, ça va. 300. Hey. Et il a dû m'engage, déconstruire. Là, un truc est tombé en face de moi. Là, il est tombé chez moi, il a perdu de l'argent, moi j'en ai gagné. C'est bien, je suis pas perdant, on change. Au contraire, je n'arrête pas de gagner de l'argent. Voilà, je suis en gain d'argent constant. Et ça, c'est bon. Là, il n'y a rien à échanger. Hop, j'en mets un pour 300. Allez. Je vais mettre d'autres maisons pour 300. Je commence à faire grandir mon empire, on va dire. Ok, il est chez lui. Il est où, là? Je sais même pas où il est. Ah, d'accord, il est là-bas. Bienvenue chez moi. De l'argent. Je vous en prie. Donnez-moi encore plus d'argent. Je le mérite après tout. 3. Ah non, pas ça. Ah, ça fait mal l'impôt sur le revenu. Ah, ça fait très mal. Le pire, c'est que vous passez à la case départ et direct vous passez l'impôt sur le revenu. Par les 200 d'un coup, ça fait très très mal. Oh là aussi, ça fait mal. Ah, il a réussi à s'en sortir. Comment il a fait? Ah, d'accord, il a tout mortgage. Il a tout mortgage. Merde. Du coup, je vais continuer. Là, je suis toujours en gain d'argent constant, donc je vais continuer à acheter de la maison. 300. Allez, le cocu. Je prends une quatrième peut-être. 450. Allez, je prends pour 450. Double. Et dans la merde, mon chien. Une grosse panade. J'empoche toutes les propriétés du jaune. Chien fait faillite, a été éliminé de la partie. Donc j'empoche les oranges, les bleus et les roses. Donc là maintenant c'est le duel dé à coudre voiture. Et ça va clairement être un duel de titans. Le problème c'est que j'hérite de ces propriétés qui sont hypothéquées. Il va falloir que je les déshypothèque, sinon je vais rien gagner. Il me faudra de l'argent pour des hypothèques et tout ça. Et lui, il est pareil dans le même cas. Là, il est obligé de déshypothéquer les affaires du bateau. Allez, 4. Bienvenue chez moi. Ok, donc là, je commence à reprendre un peu le dessus. Il commence à mortgage un peu tout. Et moi, à l'inverse, je vais unmortgage. Aïe. Quoique, si je vais commencer à un mortgage des trucs, genre ça, lever l'hypothèque à combien? 33, je lève l'hypothèque. Ça, pour combien? 33, je lève l'hypothèque et je vais même ajouter des maisons. Ça coûte combien? D'accord. Que je vais... Combien ça coûte? 350. 300. Je mets 300 pour mettre 3 maisons là-bas. Bon, là maintenant, j'ai le contrôle du bord droit. Bien. Simplement pas que je fasse un petit nombre, un gros nombre, un gros nombre. Voilà, ça c'est un gros nombre. Ça c'est un gros nombre. 10. Quoique non, 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 non. Ah c'est bon, je suis chaud. Oh j'ai cru que j'étais sur la taxe de luxe. Hop, on passe par le jour de paye. Oh c'est ce que la gare. Ah merde. Payé deux fois. Il y a deux gares. 75 x 2, il me semble. Non, c'est ça, 50 x 2. Je vais faire payer 100. Ou
Ouch, ça fait douleur ça. Ah, je vais pas aller m'amuser à un mortgage maintenant. Moi. Hop, c'est ça, bienvenue chez moi. La partie est gagnée là. 10. Ah merde, non, c'est ma gare. Je tombe sur ma gare, je suis. La partie est quasiment gagnée pour moi. Je peux peut-être jouer et demander une gare contre de l'argent. Je vais lui payer une gare de 100. Je vais lui demander un échange. Je veux sa gare. Et moi, je te donne 200. Je suis sûr que tu pourras pas refuser de l'argent. Voilà, parfait. Donc, je vais donner de l'argent et en échange, j'ai 3 gares maintenant. Ça va être problématique pour lui. Ayant le contrôle du bord droit, je n'ai pas de risque de perdre d'argent. Pas de gros risque, bien entendu. Lui, par contre, en revanche, voilà, il perd beaucoup d'argent. Heureusement qu'il a accepté le deal parce que là, il n'aurait plus d'argent du tout. C'est très bien. Moi, là, je vais pouvoir lui refaire le même deal, exactement le même. L'autre gare pour 200. Il va être quasiment obligé d'accepter. À moins que. Ah, fuck. Quoi que je peux le faire. Je vais demander. Ta dernière gare contre 200. Tu es avide d'argent, tu ne pourras pas refuser l'échange. Tu as refusé. Tu es un enfoiré, tu le sais. Tu le sais, ça. Il va falloir que je sois un peu plus généreux, c'est ça? Je pense que ça, c'est bon. Il veut pas me donner le Monopoly. C'est pas grave, c'est pas gênant. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, j'en ai. C'est pas gênant pour moi. Vous voyez? C'est pas gênant du tout pour moi. Parce qu'il n'a pas d'argent, j'en ai beaucoup. Et j'ai des propriétés qui vont lui faire perdre de l'argent aussi. Je suis en victoire. À part avec ce genre de conneries. Je vais gérer mes machins. Je vais unmortgage toutes ces merdes. Combien? 77 jeune mortgage. 77 jeune mortgage. 77 88 jeune mortgage. Ça, c'est pas moi. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Ça, à combien? 198 jeune mortgage. Voilà. Paf. Et paf. Juste à côté, c'est bon. Voilà. Hop. Voilà. 8, double. Tombe sur le rouge, tombe sur le rouge. Oui, 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 oui. Yes! Ah! Ah! Il commence à détruire des bâtiments. Il a hypothéqué. C'est bon tout ça. La victoire est proche. La victoire est proche. Là, en sortant, il va sûrement passer par mes machins. Donc, du coup, il va falloir que je prépare le coup 400, 700. Ça, si jamais il passe dessus, il est foucade. Double 5. Ah! Bien joué. Tu me surprends d'ailleurs en air. Mais là, actuellement, en fait, il n'a plus moyen de gagner d'argent. Donc j'ai gagné. Il peut plus gagner d'argent. À moins d'un mortgage. Il faut pas que je laisse passer. S'il passe la ligne de départ sans toucher une seule de mes propriétés, il peut encore gagner. Sinon, j'ai gagné. Je vais pas faire un échange. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais gérer. Je vais demander plus de 200. Et je... 7 qui tombe sur une de tes propriétés. Moi là, j'ai pas de soucis à me faire. Je vais pas payer d'argent parce que là, tout est mortgage. 8. Moi, tiens, je fais une visite gratuite. 5. Non, bah tiens, je suis chez moi. 7. Bienvenue chez moi. Donne-moi ton argent. J'en ferai plus. Je construirai des hôtels, des maisons, un empire sur ton or. Ah merde. J'avais pas prévu ça, moi. Bah, tant pis. 7. Oui. Non, il est passé. Ah, il retrépasse. Donc là, j'ai quasiment dérentabilisé, on va dire, sa paye. Donc c'est très très bien. Ah bah merde, je vais pas payer les 50. Non, on va faire un tour.
train de remonter. Et j'ai gagné. J'ai gagné, je vous explique pourquoi. Parce qu'il a tout. Il a tout hypothéqué. Ce qui veut dire en gros que bah, il n'a plus moyen de gagner de l'argent, sauf en passant par une caisse départ ou en gagnant une carte chance ou caisse de communauté. Entre la première chaîne carte chance, il a 3 cases. D'ici là, il y a mon hôtel. Après, c'est la caisse de communauté. D'ici là, il y a mes hôtels et mes maisons. Techniquement, j'ai gagné. Il va se prendre un hôtel ou une maison, il va pas pouvoir rembourser et j'ai gagné. Moi, je vais rester bien sagement en prison pendant qu'il se suicide. Comme ceci, vous voyez, c'est exactement ce que je parle. Hop, et moi je continue de tenter les doubles, hein, c'est pas... pas gênant. Voilà, je paye la caution parce que je suis gentil. Et parce que j'ai envie de faire du chemin avant de finir la partie. Double 12, double 6, c'est pas 12. Je pense que j'ai gagné. J'ai gagné. Et voilà mes chers amis, c'était une petite partie de Monopoly, en difficulté intermédiaire, et je l'ai gagné, je possède toutes les propriétés du jeu. Donc là la partie est gagnée parce que tout le monde a fait banqueroute. Donc c'est bien. Résultat, 189 lancés de dés. Putain. Bon bah du coup on est bien. 12 tours. Ah bon, autant de tours. 12 x 480. Non, mais je suis pas non. Je suis nul en maths. Bon, eh bien écoutez mes petits amis, c'était une petite vidéo de présentation, hein, une petite partie sur le jeu Monopoly, qui coûte vraiment pas cher, hein, il coûte pas 10€ ça. Il est mis à jour tous les ans. Donc là c'est la version 2013, la version 2014 n'est pas encore sortie. Il est mis à jour, vous savez, comme toutes les versions Street Fighter, c'est ils en font un nouveau jeu pour dire que c'est un précédent. Mais bon, voilà, il suffit d'acheter la dernière version et puis ça passe. Alors écoutez, je vous dirai à la prochaine. C'est trop long.